Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 11 juin 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance. Intemporelle, oups, et générale. Allons-y tout de suite avec cette femme. Cette femme, une carte qui nous parle de quoi? D'énergie sexuelle, de plaisir, de masturbation. Continuons. Allons-y avec une carte mot pour l'accompagner. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Rappelez-vous, en toutes mes guidances, vous pouvez ajouter votre interprétation. Rappelez-vous aussi, si le message ne fait pas écho en vous, laissez-le circuler. Allons-y avec une carte. Rire. Donc ici, là, bien, on nous parle de plaisir. Rire. Partager. Oups, attendez un peu. On va regarder les mots. L'as de jouer. OK. Ouh, on dirait qu'il y a un jeu qui... attendez un peu, là. Humilié, étranger, homme. Coudonc. Attendez un peu, là. Jeu, l'as de jouer, partager, rire, sexuel, plaisir sexuel, homme, étranger, humilié. Coudonc, on dirait que ça fait... Ça fait quoi? Attendez, avant de parler, je vais plutôt prendre des images, des cartes images. On dirait qu'on n'a plus de plaisir, là. On dirait que ça dégénère. Un jeu qui dégénère. L'as de jouer à ce jeu. On a eu bien du plaisir, on a bien ri ensemble. Homme étranger, humilié. Donc, j'ai le féminin, j'ai le masculin... Donc, on pourrait penser à l'homme étranger qui t'humilie, comme on pourrait me présenter l'homme étranger qui se sent humilié. On est en contact avec l'énergie sexuelle, jeu sexuel, plaisir, rire. Et là, on a la carte l'as. Il y a comme une limite qui est atteinte. On verra bien. Qu'est-ce que vous voulez me dire? L'as. L'as de quoi? Et on nous présente le pichet versé. L'énergie sexuelle que je rencontre. Donnez-moi une minute. On ne veut plus. Donnez-moi une minute. Écoutez, là. Attendez, je vais demander une autre carte pour clarifier là, avant que je me fasse trop d'idées, là. Sur l'as et le pichet. On ne veut plus, on pourrait penser, on ne veut plus verser. Bien, là, ici, on est en train de me présenter quelqu'un qui a plusieurs partenaires, d'après moi. C'est quelqu'un, on me présente quelqu'un qui a plusieurs clés à son trousseau et on me présente la carte de l'engagement. Être engagé à une personne qui est narcissique, égocentrique, qui a un égo démesuré. On nous parle d'une relation à un sens. Donc là, ici, on est en train de me parler d'une personne qui est engagée à une autre qui a plusieurs partenaires. Caméra, masque, on cache des photos, on se cache sous toutes sortes de masques, de costumes, on se cache, photos cachées. Ah, écoutez, là, on s'en va dans une histoire de quoi? De sexe. Ici, une caméra cachée! C'est ça qu'on est en train de dire. Un jeu. Ici, il y a quelqu'un qui s'amuse bien
Avec une femme, des femmes, il y a plusieurs clés à son trousseau. On a du plaisir. On joue ensemble. Écoutez, je ne sais pas si vous faites partie de ces petits films. Ça se pourrait très bien. Caméra cachée. Engagé à une personne qui a un ego démesuré. Il y a un partenariat ici. Las, las, las. Bien, c'est ça le message. On est en train juste de dévoiler probablement une personne. Ici, c'est féminin. On a eu du plaisir. On a bien ri. On a bien joué. Partager des photos. Partager. Las de. Ici, il y a quelqu'un qui ne veut plus jouer. L'as de verser. On ne peut plus verser. C'est très liquide. Plusieurs clés à son trousseau. Caméra cachée. Pour moi, ça c'est clair, là, l'association des deux cartes. Une mise en lumière s'en vient. Caméra cachée. Écoutez, vous faites peut-être partie de son petit film. Ses petits films. Ses petits films. Ah, si c'est clair, clair, là, pour moi. Caméra cachée. Bon, transformation au sein d'une relation, au sein d'un partenariat, ce n'est qu'une question de temps avant que cette personne qui, quoi, ici, là, on parle vraiment de l'ego est très, très présent. Ici, on veut quoi? On veut atteindre un objectif. On nous parle aussi de relation, de codépendance. On dépend de l'autre, bien oui. Ce n'est qu'une question de temps avant que ce jeu soit exposé à la lumière. Transformation au sein d'un partenariat. On voulait gagner. Ici, là, on dirait que ça me fait penser aux chasseurs. On n'a plus de temps à perdre. Là, on court vite. On court vite. On n'a plus de temps à perdre. Un partenariat qui est appelé à vivre une transformation, un jeu qui arrive d'après moi à sa fin. En tout cas, il va être révélé le jeu. Le jeu va être révélé. Partager, écoutez tout ce qu'on a filmé, caméra cachée. Il y a quelqu'un, l'as versé ici, là, on peut l'interpréter de plusieurs façons. Je n'irai pas trop, je vais faire attention là ici, à vous de laisser aller votre imagination. Mais on dirait qu'il y a quelqu'un, on pourrait l'interpréter aussi sur le plan financier. Si je ne m'en vais pas dans le sens sexuel, on pourrait l'interpréter dans le sens financier. L'as de verser une somme. Il y a quelqu'un ici qui, d'après moi, partage ses petits films. C'est rentable. Donc, on est engagé avec une personne. Narcissique, on nous parle d'une relation à un sens. Cette personne avec laquelle on est engagé a plusieurs clés à son trousseau. C'est la carte des One Night Stand. Décision à prendre aujourd'hui. Il y a plusieurs partenaires. Homme étranger, vous voulez me dire quoi? Humilié. Homme étranger, humilié. Donc, à vous de voir si c'est l'homme étranger qui se sent humilié ou si c'est l'homme étranger qui t'a humilié. Je vais demander une carte sur homme. Ou bien on pourrait nous dire ici qu'on pensait connaître, parce qu'ici, il y a quand même un engagement là, avec la bague de mariage. Il y a un engagement. On pensait connaître notre partenaire. Il y a quelqu'un qui se sent humilié.
Donc là, on nous parle de révélation avec la libellule. On va avoir des réponses à nos questions. Sur homme, vous voulez me dire quoi? Bon, ici, homme... Bon, ici, écoutez, on fonce. Il y a une histoire d'argent, on y va, on y va. On fait de l'argent, c'est clair. C'est un homme qui fait de l'argent. Ici, la relation, le pont et le travail. Donnez-moi une minute. D'après moi, on va couper les ponts. Il y a un côté bureau, bureau. On ne se rend pas au travail. Il y a un blocage au sein d'une relation, d'un lien. On ne veut plus, on ne veut plus. On dirait qu'on va couper un lien de travail. Là, ici, on nous présente l'école. On a appris nos leçons. Quelqu'un a appris ses leçons. Une personne en couple a appris ses leçons. On va bloquer une relation. Oh, c'est une histoire. C'est une histoire de photos, de films cachés. Filmés à l'insu. C'est ça ici, puisqu'on dit caméra cachée. Donc, d'après moi, il y a quelqu'un qui s'est fait prendre au jeu de quelqu'un qui a rentabilisé. Ces petits films. Ici, on le voit bien, là. Étranger, est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? Attendez, il y a quelqu'un ici qui ne se rend pas, là. On dirait qu'on va bloquer. On va bloquer la relation, le partenariat. On n'ira pas au boulot, là. Donnez-moi une minute. On ne se rend pas sur les lieux. Les. Attendez, je vais demander une carte pour le bureau. C'est en lien avec un travail. Il y a quelqu'un qui a appris ses leçons, certain. Attirant. Sur la carte de l'enseignement, vous voulez me dire quoi? Apprendre. Danger. Se sentir en danger. Et le duo, vous voulez me dire quoi? Dette. Donc là, ici, on est en train de nous présenter quelqu'un qui avait un couple, un duo. Bon, il y a une histoire d'argent et il y a l'homme. Il y a l'homme qui a dit « Go, on y va ». Il y a une histoire de... Écoutez, ça fait caméra cachée, là, on a compris. Et on nous parle d'argent, on reçoit, on a dit oui à ce travail, on a dit oui, on a eu le goût de. Mais là, on est en train de bloquer le lien de travail. Parce qu'on a peur, parce qu'on se sent en danger, on a appris nos leçons. Donc, l'étranger ici, vous voulez me dire quoi avec l'étranger? Homme étranger. On a dit oui à l'homme étranger. En même temps, on dirait qu'on nous dit qu'une personne ne connaissait pas son homme. Homme étranger. Et on se sent humilié. Il y a une histoire de partage de petites vidéos de ce qu'on a filmé. Et c'est rentable. L'idée était de mettre un terme à une dette. Étranger malhonnête. Caché, on a caché. Donc, si c'est votre partenaire, bien, votre partenaire, votre homme, vous a caché quoi? Bien, on a vu, là. On l'a vu. Partager des petits films. Ben oui, on fait de l'argent avec ça. C'est cette histoire-là qui se présente. Pour mettre un terme à une dette, on veut bien y vivre. Bien là, on y va avec... Attendez, j'espère qu'il n'y a pas des enfants là-dedans. Mais même à ça, même si on me parle d'adultes non consentants, vous voyez bien que c'est...
que c'est pervers, que c'est malsain. C'est comme un viol de l'intimité. Il n'y avait pas de consentement, là. On nous parle de malhonnêteté, cachotterie, étranger, malhonnête. On cache, on cache, on cache. Sur humilier, maintenant, vous voulez me dire quoi? Bien, la prison. Bon. Humilié. Comment voulez-vous interpréter ces deux cartes? On pourrait me présenter l'enfermement, l'emprisonnement. On se sent humilié, enfermé dans. On a honte, dans le fond. On pourrait nous dire ça. Comme on pourrait me présenter une personne qui, ça dépend de ce qui s'est joué. Mais c'est la carte de la prison qui est tout près. Ouf. Je n'ai plus beaucoup d'énergie. Je vais demander tout de suite une carte, une autre carte pour terminer la guidance parce que... Parce que ça me vide de mon énergie. Attendez. En chaque personne, je perçois l'être divin. J'aime, je respecte et j'accepte chaque personne comme une manifestation de la volonté divine sur la terre. Je permets ainsi à tous ceux qui m'entourent de manifester le meilleur d'eux-mêmes. Ensemble, nous apportons la guérison, l'harmonie et la liberté dans notre monde pour le plus grand bien de tous. C'est un message de respect. En chaque personne, je perçois l'être divin. J'aime, je respecte et j'accepte chaque personne comme une manifestation de la volonté divine sur la terre. Je permets ainsi à tous ceux qui m'entourent de manifester le meilleur d'eux-mêmes. Ensemble, nous apportons la guérison, l'harmonie et la liberté dans notre monde pour le plus grand bien de tous. Donc, il y a un jeu ici qui va être bientôt révélé. On court vite, ce n'est qu'une question de temps. Transformation au sein d'un couple, d'un partenariat. Être engagé avec une personne qui... en fait, on nous parle d'un engagement. On est engagé à une personne qui a un ego démesuré, qui aime dominer, qui aime avoir le pouvoir. On nous parle de relation à un sens. On nous parle de caméra cachée. On partage des petites vidéos de cul, c'est ça ici, qu'on a filmé à l'insu d'une personne. C'est l'homme ici là, qui a dit « oui, là, on y va, on va faire de l'argent avec ça ». C'est le masculin là ici. Étranger, malhonnête, tout est dans le cachet. Couple ici qui avait des problèmes d'argent. Et c'est l'homme qui a dit « oui ». Mais vous voyez bien comment c'est malsain. C'est ici que je vais m'arrêter. Ce n'est pas... il y a un manque de consentement, là, ici. C'est fait à l'insu. À l'insu des proies. Des proies. À l'insu. On fait de l'argent de cette façon. On a compris, je pense, que vous êtes conscient de ces jeux depuis longtemps. C'est ici que je vais m'arrêter. Je vous remercie pour votre écoute. Vous pouvez vous exprimer, commenter. Merci pour les petits pouces en l'air, toujours très appréciés. Je vous invite à vous abonner à la chaîne. À très bientôt.